Yo. Je suis beaucoup trop contente. Je crois que c'est la série de vidéos que j'ai vraiment le plus attendu de faire sur ma chaîne. Depuis que j'ai commencé, je me suis dit, je n'attends qu'une chose, c'est la série appartement, je suis trop contente. Bon, malgré que je vous ai déjà un petit peu teasé, parce que j'avais déjà fait une vidéo en fait, recherche d'appartement que je vous mettrais dans le petit i. Enfin, c'était plus un micmac de vlog de... I don't know, enfin comme d'habitude. Mais là, on commence officiellement la série appartement parce que j'ai les clés de mon appartement. Et ça fait très longtemps qu'elle est en route. En fait, ça fait déjà plus d'un mois que je commence à filmer. Donc, enfin, ça va beaucoup s'étendre parce que j'ai pas la possibilité d'aller à Lille tous les jours. J'habite quand même à 1h30 en voiture. Donc bon, voilà. Petit débrief avant. Si vous demandez ou non, je suis acceptée dans mon école à Lille, à IAG Luxury Management. J'ai passé le concours parce que c'est une école privée le 20 janvier. Je l'ai eu. Du coup, en fait, je suis prise depuis janvier dans mon école, donc Parcoursup. Voilà. Et à partir de ça, j'avais commencé à faire des recherches à partir de janvier pour voir en fait un petit peu les gammes de prix, etc. Et j'étais tombée sur cet appartement, donc celui que j'ai actuellement, déjà mi-janvier, sauf qu'il était seulement disponible à partir de mi-mars, je crois. Et en fait, en mars, je suis allée sur l'île, bah justement pour faire cette fameuse journée que j'ai filmée. Et ma mère a dit, ah mais pourquoi pas aller le visiter, ça nous coûte rien, on a du temps à perdre dans l'île. Du coup, j'envoie un texto au monsieur, machin, machin. Je le visite. C'est le seul appartement que j'ai visité. Je me suis dit, je ne veux rien d'autre, c'est bon, je le prends, c'est tout. Déjà qu'il y avait pas mal de demandes, il y avait déjà encore 3 visites derrière nous, alors voilà, il venait à peine d'être disponible. Mais écoutez, il est situé incroyablement bien. Je suis à 7 minutes à pied de mon école, j'ai une salle de sport juste à côté, j'ai plein de petits magasins juste à côté, je suis dans la grande rue où en fait à toutes les boutiques le bail. 4 minutes à pied de la grande place du Vieux-Lille. L'emplacement, je ne peux pas rêver mieux, c'est très sécurisé, c'est super, c'est beau, c'est propre. C'est bien, c'est tout ce qu'il faut. On le visite, j'en discute avec mes parents parce qu'on peut pas le prendre tout de suite en mars, un petit peu galère. Mais sinon ça allait partir parce qu'il était quand même vachement demandé. On apprend quoi le soir même? Bim, confinement. Vous savez, le 3e, 4e, je sais plus combien de confinement on a eu. Et du coup, bien sûr, on ne pouvait pas aller signer les papiers sur place parce qu'on a été restreint une zone de 10 km et Lille, c'est à plus de 10 km de chez moi. Du coup, finalement, le temps est passé. On a signé l'appartement le 4 mai, donc quand on a été libéré. C'est cool parce que j'ai pu économiser quelques mois, on va dire. Le loyer est à 500 € charges comprises, donc ça, c'était totalement dans les budgets. J'avais 500 € de budget, bah là, nickel. J'ai un petit local à vélo aussi, assez sympa. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que comme je me déclare seule parce que je suis auto-entrepreneuse et que je suis déclarée aux impôts et que, bah voilà, en tant que créatrice de contenu et influenceuse sur les réseaux sociaux, voilà, c'est un métier. J'ai des revenus, etc., donc je peux toucher l'APL, sauf que je ne gagne pas beaucoup de revenus. Du coup, je gagnerai un petit peu plus avec l'APL. Je crois que j'aurai 250 € d'APL, du coup c'est cool parce que ça me paye la moitié du loyer et ça c'est intéressant. Et sinon, du coup, l'autre partie du loyer, c'est moi qui paye avec justement bah YouTube quoi. Mes parents m'ont payé les gros meubles, donc plus ce qui est électroménager, donc cafetière, four micro-ondes, aspirateur, et moi je paye un petit peu tout ce qui est déco à côté, enfin pas forcément petit parce que j'ai quand même payé mon lit, je vais payer mon lieu, je vais payer ma chaise, payer mon bureau, mais je suis contente de pouvoir me débrouiller seule et de pouvoir dire ok, c'est bon, pas de soucis, c'est moi qui paye, sachant que je ne suis pas riche non plus et que on paye déjà une école très 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 chère l'année, et sans les réseaux sociaux je ne pourrais pas aller dans cette école à l'heure d'aujourd'hui, donc très très reconnaissante. En fait, c'est l'argent que mes parents ont mis depuis que je suis toute petite, ils ont ouvert un compte, ils mettent tous les mois dessus pour bah justement le permis, l'école, tout ci tout ça, enfin les petites dépenses, enfin les petites... Bah le reste, il faut essayer de se débrouiller tout seul. Du coup, voilà, je fais des économies depuis que j'ai commencé les réseaux sociaux pour ça et que j'essaye encore à l'heure d'aujourd'hui de faire des économies pour. J'arrive à faire la part des choses et ça, c'est assez cool. Et que j'essaye de passer aussi par beaucoup de déstockage. Vous allez le voir dans la vidéo, j'ai acheté par Facebook Market, j'ai acheté aussi dans des déstockages. Emmaüs, ils font beaucoup de déstockage internet, c'est super intéressant. Stockomanie, des trucs comme ça, c'est vraiment des fins de série en fait qui bradent tout. En fait, c'est des choses neuves, mais ils bradent tout. Aussi au niveau de l'alimentation, j'essaye de faire des déstockages alimentaires, mais aussi des to-go, je passe beaucoup par là, enfin bref, je ne spoil pas tout, mais voilà. Du coup, je vous ai filmé quelques moments où je vous embarque à chaque fois que je vais à Lille en vous mettant les petites dates pour vous situer en fait, que genre ça prend du temps vraiment. Je suis trop contente. Let's go.
J'ai pas mon bisou. Bisous. T'as pris la dimension des vidéos? Alors, et par contre, t'as pas mal de prises. Une là. Voilà, les prises, on a pas trop. Et dans le salva, t'as regardé? C'est pour mettre l'huile. Là, c'est les trucs en bois. Là, c'est deux petits récipients pour ranger. Le truc pour le sopalin, c'est du sopalin réutilisable. Du coup, on peut l'utiliser plusieurs fois. Là, c'est une planche en bois pour découper. Là, c'est un broyeur et un wok. Je vais prendre qu'une poêle comme ça, vert. Ça, c'est pour ranger les couverts, des couteaux. Le manche, c'est en quoi le manche? En graines de blé, je crois. Mes brosses à dents. Là, c'est des couverts réutilisables. Et ça, c'est pour aller chercher en vrac. Tu galères là un peu, non? Un petit peu compliqué. Tu me fais peur. Tu m'as cassé la barre. C'est ça, faut que tu le rendes, voilà. Pousse-le. Il y a un moins 1, c'est quoi moins 1? Les poubelles? Pause. Je viens de rentrer de Action. Je suis une madame. J'ai pris les clés de la voiture et j'y étais toute seule. J'ai le droit. Depuis le 1er mai. J'ai trop peur de conduire toute seule. Bref, tout ça pour dire que j'étais Action. Pourquoi? Parce que j'ai acheté une grande valise. Comme ça, ça sera beaucoup plus simple quand je ferai mes déplacements. En plus, c'était la galère parce qu'on avait une petite à l'intérieur et je savais pas qu'il y avait une petite. Du coup, on a dû l'ouvrir avec la madame à laquelle je vous raconte pas l'horreur. J'ai fait d'autres petits achats. Même si je vous montrerai pas tout, mais faire un mini haul entre deux de ce que j'ai acheté. J'ai acheté des plateaux en bois. Passion. Déjà j'en ai plein dans ma chambre, enfin j'en ai plein. Là j'en ai vu des grands et là je me dis que ça peut être vachement cool pour mettre ma cafetière parce que j'ai peur d'abîmer mon bureau, du coup j'en mettrai dessus. Et là pourquoi pas pour mettre ma bouillotte. J'adore, en plus c'est tellement pas cher, j'adore Action, sponsorisez-moi s'il vous plaît. J'ai acheté un truc pour mettre les fruits en noir, un petit peu comme ça, métal, très industriel. J'ai encore pleuré il y a quelques jours parce que je ne savais pas comment faire la décoration et l'agencement de mon appartement. Moi ça me stresse trop parce que je me dis bordel c'est de l'argent que je dépense dedans, imagine je fais mal les choix. Je regrette ou je sais pas quoi. Moi ça me stresse trop, genre vraiment. Bref, du coup j'ai acheté une panière à fruits. Là ça n'a aucun rapport, enfin si, indirectement avec. J'ai acheté ça à Intermarché, anti-gaspi. En fait j'aimerais trop, je vous l'ai dit, c'est réduire les déchets en fait que je produis au niveau de ma consommation, etc. Notamment au niveau de courses, enfin bref vous savez, parce que bon je le fais déjà un petit peu pour les vêtements, pour l'électroménager, la nourriture aussi avec les too-good-to-go ou quoi. Mais c'est vrai, quelque chose que ça fait assez longtemps, c'est quelques mois j'aimerais faire, c'est vraiment réduire au niveau, bah voilà, le plastique, etc. Mais je sais que ça prend du temps et je sais que c'est compliqué. Quand on vit en famille, bah c'est très très compliqué. Mais là, je me dis, quand je vais vivre seule, c'est l'occasion d'essayer de faire des petits efforts, etc. Mais là, du coup, je me suis acheté un petit livre pour vraiment savoir tous les dessous. Déjà, ça fait 2 mois que je ne consomme plus de chewing-gum. C'était la pire chose à faire. Genre, vraiment, c'était le plus dur. En tout cas, ça a l'air trop chouette. Bon, j'ai aussi acheté des lunettes de soleil. Alors qu'il pleut, littéralement, c'est la tempête là dehors. Ça n'a aucun rapport, mais bon, voilà. Je me suis acheté un tapis de sport à Action. Vraiment, ma passion Action. Pas pêché. Pas un tapis de yoga parce que j'ai déjà un tapis de yoga, mais c'est un tapis de yoga. Là c'est un tapis de sport, donc vraiment assez épais. J'ai trop hâte d'acheter tout plein de trucs et de faire la déco, de pouvoir y aller super souvent. J'ai trop hâte que le lycée se termine, bordel. L'outfit du jour, c'est un petit cardigan qui vient de chez Naked, un pantalon vert qui vient de chez Uniqlo et mes Air Force Units. Voilà, voilà. Et il fait beau alors qu'il devait pas faire beau aujourd'hui. Et on est parti sur l'île. Jamais été autant à l'île. Et ça, on va aller tout de suite au poubelle. Tiens. Non. Est-ce que pendant qu'il y est... Non, comme s'il n'y est pas, on ne met pas. On va pas le soigner. Il faut qu'il se découpe ou qu'il reprenne sa forme. Hein. Essaye de le couper de façon... On met tout. Regarde le côté, il y a du plastique. Il est bien. Franchement, il est nickel, hein. Il est super épais, c'est trop chouette. Oui, trop chouette. Ah là 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 là. Que de bazar. Alors, ça, c'est veggie. Ça, c'est végétalien. Oh my god. C'est important, donc qu'une seule, ça sera pas suffisant si t'as vu quelqu'un. On si a voulu manger un seul de tête. Oh, il faut en prendre une deuxième. Toi, t'as ta bouteille d'eau. Oh, donc je crois que c'était... Tu peux en prendre un peu quand même, okay.
Excuse-moi. Tu vois, ça fait des traces, hein. Regarde. J'en ai pas envie. Là. Je pense pas que ça va. Non. L'appartement, on arrive. Donc c'est pour l'instant, c'est provisoire. Là, donc juste ici, bon, pour l'instant, on a mis le bureau. On l'a acheté sur Facebook Market, donc on s'appelle Marketplace. Donc c'est un de chez Ikea, il est très très grand, il est très très lourd aussi, c'est du bon bois. Je l'ai payé 90€. On a été chercher ce matin, la fille elle habitait au 4e sans ascenseur, du coup c'est compliqué. Pour l'instant, il y a ma cafetière qui est là. Au niveau de ma cuisine, pour l'instant c'est comme ça, mais bon ça vous avez déjà vu. Et là, il y a mon lit. Et pour l'instant, l'armoire. Au niveau du matelas, on en a acheté un neuf. Cependant, enfin, c'est mes parents qui l'ont payé. On l'a eu sur Kelsey, je connaissais même pas le site. On l'a payé quand même 200€. C'est un 140x190. Et il fait 30 cm d'épaisseur. Il est mi-ferme parce que j'aime bien quand ça s'est ferme. Et j'ai d'autres achats à faire. Mes parents vont encore me payer l'aspirateur et le four micro-ondes. Et après, c'est moi qui les réglerai. C'est le bureau aussi, c'est moi qui les paye. Oh, je suis désolée. Mais non, mais tu me mets sur mon sein. Mais tu vois pas qu'il est là. Tu crois que je parle toute seule. En plus ça coûte bah, cher route, ça man. Oui bah il y a la route. Bah c'est cas, moi ouais. Qui conduis hein. Et alors je suis copilote. Si je m'endors. Par contre c'est bah regarde ça s'ouvre même plus cette histoire. Ah en fait c'était la lumière de là. Mais non. Appuie. On a pris des to go, enfin un to go à Notting Hill. Du coup on a eu un muffin. Après le reste je crois qu'on a eu des sandwichs. Un bagel. Un autre sandwich. Tout ça pour combien? 3,80€. Bon, update, je suis bien arrivée à Lille, tout va bien, je suis tellement contente, il y avait du monde en terrasse, c'était blindax, genre vraiment vu qu'on est le 19 et que ça a réouvert aujourd'hui. Il y avait le coucher de soleil, je suis arrivée à 19h et quelques à Lille. Avec mon énorme valise, je me suis dit mais je vais jamais arriver entière à mon appartement. J'ai rencontré quelqu'un, un gars sur TikTok, qu'on se suit mutuellement sur les réseaux, et on avait échangé il y a quelques jours, et là, bim, je le croise dans Lille, je me dis mais coïncidence, non, je ne crois pas aux coïncidences. Enfin, 21h passée, j'ai commandé Uber Eats parce que bah j'ai rien à manger à la maison. Je commande un poké, ça a l'air trop bon, j'ai trop hâte, j'adore les pokés, yummy yummy. Je n'ai pas de dentifrice, j'ai oublié mon lisseur, j'ai oublié mon fucking lisseur, je ne sais pas comment je vais faire parce que c'est primordial, c'est indispensable, je ne peux pas vivre sans mon lisseur. Je vais partir réviser mes maths avec Yvan Bébou. J'ai reçu ma commande, j'ai faim, une killer, très faim. J'ai déjà mangé la moitié du bail mais c'est tellement coupé, je m'en sors pas. Je me fais harceler, mais que se passe-t-il? C'est Julia encore. Carrément, petit coup de pression, tu as panique. Bah en vrai ça fait que 2 jours, tu vois. Non mais il y a un réel problème dans ta famille, genre ça va pas. Ah moi j'adore, c'est trop bon, genre vraiment ma passion quoi.
Ma tenue du jour, du coup, c'est un pantalon de chez Naked avec un col roulé. Je sais plus, je crois que je l'avais vu chez Primark, je sais plus. Mes Converse, plateforme. Voilà, je suis ready. Aller en course. Je n'ai fait que ça depuis ce matin. Il est déjà 13h30. Depuis 9h30, je suis partie. Mais je profite des magasins, ça fait du bien, bordel. Je savais pas à quel point ça avait manqué d'aller dans un magasin. Genre vraiment. Bref, il fait pas très beau aujourd'hui. Mais bon. Et normalement, je vais aller boire un verre en terrasse. Une amie chez qui j'avais dormi lors de mon concours, justement. Du coup, on s'est dit que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Donc, se promener un petit peu, raconter notre vie, quoi. Avant qu'elle parte à Paris. Regardez-moi ça. J'ai rempli mon sac parce que je vais aller au magasin de vrac. Ils sont littéralement énormes, mais au moins, je suis tranquille. Je crois que je vais faire plusieurs allers-retours parce que j'ai beaucoup de récipients. Bon, ça va, c'est clairement à une minute à pied de chez moi. Donc, bon. C'est parti. Déjà, j'ai acheté du dentifrice comme ça, solide, dans une petite boîte. C'est mon quoi. C'est à l'argile verte. Du coup, c'est la première fois que je vais tester du dentifrice comme ça. Parce qu'en fait, ce matin, bah, j'avais pas de dentifrice. Du coup, je me suis lavé les dents à l'eau. J'étais, ah non, faudrait que j'aille en course, oh mon dieu. J'ai pris du millet jaune. J'ai pris des protéines de soja, des toutes petites. J'ai pris du quinoa, des pois chiches, des graines de courge, des noix de cajou, ma vie. Et des lentilles corail. Et j'ai pris un petit filtre de charbon pour une copine. On va lui faire son petit cadeau d'anniversaire. Quand même, pour tout ça, même si je suis tranquille pendant un moment, j'en ai quand même eu pour 60€. Ça peut paraître cher. Bon, après, le filtre de charbon, c'est pas donné non plus, hein. Comme je suis passée à Monop et que j'étais en PLS et que j'en avais marre de tout, j'ai pris une glace à l'auto. J'en entends parler depuis, je ne sais même plus combien de temps. On en a reparlé avec Julia il y a quelques jours à Paris. Du coup, je me suis dit, je vais tester. Chocolate chip cookout. C'est vachement bon. Allez hop, c'est parti. Oula. Yo. En plus, maintenant j'ai ma petite caméra. Tu l'avais déjà vue? Non, je l'avais pas vue celle-là. Ah, bah voilà. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je suis tellement contente. Je pense qu'il va y avoir plein d'autres vlogs à part seulement. En tout cas, j'espère que je vous emmènerai avec moi dans l'avancement de tout ça, de toutes les mésaventures et tout. En tout cas, j'espère que cette petite série vous plaît. Moi, je suis trop excitée, je suis trop contente. Genre, vraiment, waouh. J'espère que vous serez au rendez-vous à chaque fois. N'hésitez pas à me dire, vous, de votre côté, comment ça avance, parce que avec les résultats de Parcoursup, etc., j'ai la chance de pas être passée par là, mais voilà, je sais que c'est compliqué. Au niveau de vos recherches d'appartement, si jamais vous êtes étudiante et que quoi que ce soit, ou même pas d'ailleurs. Justement, n'hésitez pas à commenter un maximum, je vous le redirai jamais assez, mais vous savez pas à quel point ça aide le créateur de contenu et la chaîne à se développer, mais vraiment beaucoup. Et vous êtes toujours super présent dans les commentaires, donc mille merci. Je vous invite à me suivre sur YouTube, mais aussi sur Instagram et aussi sur mon compte Food, parce que j'ai plein de réseaux sociaux, à liker la vidéo, à partager, et moi les amis, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Yes, I put it on for you, cause I put you first.